Bon, je suis désolé pour ma coupe palmier, je vais t'installer là et puis on va faire la vidéo. Bon, aujourd'hui je voulais qu'on parle des paillettes dans les yeux qu'on te met en ce qui concerne gagner sa vie sur internet et créer du contenu ou vivre de son contenu sur internet. Tu sais, moi ça fait des semaines que j'en parle, ça fait même des mois que j'en parle. Gagner sa vie sur internet, c'est quelque chose, c'est un travail de long terme, c'est un travail de longue haleine. Et pourtant, t'as sûrement dû acheter les mêmes formations que moi, t'as sûrement dû, je sais pas, apprendre avec les mêmes personnes que moi qui t'ont promis ou qui t'ont expliqué qu'en un mois, qu'en deux mois, qu'en trois mois maximum, tu pouvais commencer à générer 100, 200, 300, 500 euros par mois. Alors, je dis pas que c'est impossible, je dis pas que tu peux pas le faire. Évidemment que si tu fais partie du 1%, évidemment que si tu fais partie du 1% des personnes qui font la bonne vidéo au bon moment, dans la bonne thématique, avec les bons mots-clés, là tu peux faire décoller ta chaîne et là tu peux créer du contenu et en vivre très rapidement. Je te prends l'exemple de MiCode. MiCode, c'est un YouTuber qui en deux mois a pris 400 000 abonnés. 400 000 abonnés. Mais combien aujourd'hui de YouTubeurs se lancent et prennent 400 000 abonnés en deux mois ? Un seul sur des milliers, un seul sur des dizaines de milliers. Donc si aujourd'hui tu es dans la majorité, et il y a de grandes chances que tu sois dans la majorité, tu vas mettre longtemps avant de gagner ta vie sur le web, tu vas mettre longtemps avant de vivre de ton contenu. Et c'est normal parce que quand tu arrives sur internet, quand tu te lances dans une thématique, peu importe la thématique, que ce soit le minimalisme, que ce soit le développement personnel, que ce soit le sport, que ce soit le chant, que ce soit la danse, que ce soit le yoga, la méditation, que ce soit l'écriture, ce que tu veux, peu importe, aujourd'hui quand tu te lances dans une thématique, t'es personne, tu n'as aucun nom. Peu importe si tu es expert comptable dans tel domaine, sur internet t'es personne, t'as aucun nom, personne ne te connaît. Et le souci, quand personne ne te connaît, quand t'as aucun branding, aucun personal branding, quand t'as jamais vendu ta marque, quand t'as jamais créé quelque chose autour de ton nom, dès que tu vas proposer un produit à la vente, les personnes vont se demander mais c'est qui ce mec ? C'est qui ce mec pour nous proposer un produit? Quelle expérience il a? Quelle connaissance il a? Et le souci, c'est que toutes les connaissances qu'on a en dehors du web, du moment qu'on n'a pas cette preuve sociale, si tu veux, justement du fait qu'on crée du contenu, qu'on soit là depuis un moment, qu'on sache de quoi on parle, qu'on ait une audience autour de nous, on va pas pouvoir vendre de produits. Moi, je te le dis aujourd'hui, essaye, lance-toi dans une thématique demain. Imagine, je te prends un exemple très con, mais imagine que dans la vie, tu sois prof de yoga. Lance-toi demain sur YouTube, dis à ceux qui te suivent que tu es prof de yoga et vends-leur des cours de yoga. Probablement que tu vas mettre plusieurs mois avant de leur vendre parce qu'avant, il va falloir créer une audience, avant, il va falloir créer une relation, avant, il va falloir que tu prouves que tu es capable de leur apprendre quelque chose. Donc c'est pour ça que je te dis aujourd'hui que gagner de l'argent sur internet, vivre de son contenu, c'est un travail de longue haleine. Sauf si encore une fois tu fais partie du 1%. Mais il y a très peu de personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont faire partie du 1%. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner un exemple. Cet exemple-là, c'est comment est-ce que tu peux vivre ou comment est-ce que tu peux plutôt développer, on va dire, te faire connaître ta musique. Voilà, c'est ça en fait. Comment tu peux faire connaître ta musique sur internet, même quand tu n'es personne. Et il va falloir s'inspirer de ce que je vais te dire là pour ton contenu. En fait, il y a un truc qui est simple, qu'il faut comprendre. Quand tu crées du contenu sur internet et quand tu es personne, quand tu n'as pas de nom, quand tu n'es pas connu, c'est que tu dois accepter de travailler gratuitement. Tu dois accepter de travailler gratuitement. Tu dois accepter de faire des vidéos pendant des semaines, pendant des mois, gratuitement. Sans rien demander en retour, juste donner à ton audience. Tu dois accepter de faire des coachings gratuitement. Tu dois accepter de prendre le temps en DM Instagram. Tu dois accepter de prendre le temps, je sais pas, même s'il faut appeler ton audience, tu dois prendre le temps de les appeler gratuitement. Justement pour leur montrer la valeur que tu peux leur apporter, pour montrer que tu vas créer une vraie relation avec eux, pour montrer que tu es capable derrière de vendre des produits qui sont de qualité. Et si aujourd'hui tu n'acceptes pas de travailler gratuitement, si aujourd'hui tu es dans cet état d'esprit de « ok, je crée mon business et dans un moi je vais générer des revenus », tu vas te vautrer. Moi je te le dis, c'est un truc que je travaille avec mon audience depuis un moment. J'essaie de vous faire comprendre que honnêtement, gagner sa vie sur internet, vivre de son contenu, c'est travailler tous les jours, donner tous les jours à son audience. Tu le vois, moi je le fais, je fais plus de 300 contenus, j'ai fait plus de 300 contenus aujourd'hui, gratuits, même plus de 350 peut-être. Et ce qu'il va falloir déterminer, c'est est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que tu as vraiment envie de travailler pendant des semaines, pendant des mois, gratuitement? Donner gratuitement autour de toi pour vivre de ton contenu. Est-ce que toi aujourd'hui tu veux vraiment créer une vie selon tes propres règles? Est-ce que toi aujourd'hui tu veux vraiment vivre de ton contenu? Tu veux vraiment vivre de ta passion? Tu veux vraiment créer quelque chose autour de toi? Inspirer les gens, je sais pas, pour partager quelque chose que t'aimes. Si toi aujourd'hui t'aimes parler de méditation, si toi aujourd'hui ça fait 10 ans que tu fais de la méditation, est-ce que tu as vraiment envie de travailler gratuitement pendant des semaines, pendant des mois pour plus tard vivre de ce contenu-là, pour créer quelque chose de durable, quelque chose sur le long terme? Moi, je pense que oui. En tout cas, si tu me suis, je suis sûr, je suis persuadé que tu as envie de le faire. Et si tu as envie de le faire, il faut que tu comprennes bien ce truc-là. C'est qu'il va falloir travailler aujourd'hui gratuitement, demain gratuitement, après-demain gratuitement et faire ça pendant des mois. Pour te construire ton personal branding, pour te construire ta marque, pour montrer que tu peux apporter de la valeur aux gens, pour montrer que tu es en mesure, que tu as les capacités, que tu as l'expérience pour justement vendre des produits payants. Et c'est justement à ce moment-là que tu vas pouvoir gagner ta vie avec ton contenu. Donc maintenant, je vais en venir aux musiciens. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es tombé sur cette chaîne par hasard, tu ne me connais pas et tu t'es dit putain le mec ça fait 8 minutes, ça fait même 10 minutes presque qui me parle d'un sujet dont je n'ai rien à foutre, j'ai juste envie de savoir comment faire connaître ma musique. Et ben c'est le même principe. Aujourd'hui je vais te le dire. T'as des créateurs de contenu de plus en plus, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur un podcast, que ce soit sur SoundCloud, qui ont envie et qui rêvent d'utiliser des musiques gratuitement. Je te le dis, moi je fais des vlogs. D'accord, je fais des vlogs ici, je suis à Phuket, donc je fais des vlogs à Phuket, en Thaïlande ou bref, pendant mon séjour, j'ai fait des vlogs. J'ai galéré à trouver des musiques libres de droit, gratuites, mais qui étaient bien. Honnêtement, les musiques de YouTube, j'en ai marre, tu vois. Ça va 2 minutes, mais quand tu fais une vidéo par jour, les musiques de YouTube, t'en as marre. T'as envie des musiques qui peps, t'as envie d'avoir des bonnes musiques. Et ben moi, je te le dis, si aujourd'hui tu veux faire connaître ta musique, que tu fais un peu de hip-hop, que tu fais un peu d'électro, que tu fais des trucs comme ça, qui passent bien sur les vlogs, tu vas voir tous les vlogueurs français ou même tous les vlogueurs américains qui existent, tu leur envoies un MP et tu leur dis bonjour, voilà, moi je fais cette musique-là, écoute-la, je te la donne gratuitement, il faut juste que tu me mentionnes dans ta description. Voilà comment tu peux faire connaître ta musique gratuitement. Ce qu'il faut que tu acceptes, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est travailler gratuitement pour les autres. Ça veut dire qu'au début, tu vas pas faire payer ta musique, tu vas juste leur dire voilà, ma musique elle est libre d'utilisation, il faut juste me mentionner. Et tu vas aller voir tous les mecs qui font des vlogs, si toi tu fais du hip-hop, si toi tu fais du trap, si toi tu fais de l'électro, des musiques qui passent bien dans les vlogs, bah tu vas leur envoyer un putain de message et tu vas leur dire voilà, moi aujourd'hui je vous propose ma musique, il faut juste me mentionner. Voilà comment tu peux te faire connaître. Et c'est pareil, si tu fais de la musique classique, c'est pareil si tu fais toute autre sorte de musique. Aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, il y a des millions d'heures de vidéos qui sont publiées tous les jours. Il y a des millions d'heures de vidéos qui sont publiées tous les jours avec de la musique. Et moi, je te le dis, les musiques de YouTube, on en a tous ras le cul. On en a tous ras le cul. Donc, que tu fasses du classique, que tu fasses du jazz, que tu fasses de la funk, ce que tu veux, tu peux faire connaître ta musique en utilisant les créateurs. Mais il va falloir encore une fois accepter de travailler gratuitement. Donc le concept il est simple. Si aujourd'hui tu as envie de créer une vie qui t'appartient, une vie dans laquelle tu es indépendant, une vie dans laquelle tu es libre, une vie selon tes propres règles, pour vivre de ton contenu, pour vivre de ta passion, il va falloir passer par cette étape-là, cette étape qui est longue, cette étape qui prend des semaines, parfois même des mois, il va falloir travailler gratuitement. C'était Tony, je te souhaite une bonne journée, ciao.